Alléluia. Alléluia. Shara rebos. Alléluia. Lebra kana mama 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 sha. Ni kana bos. Saison des bonnes nouvelles. Ah. C'est clair dans mon esprit. J'entends saison des bonnes nouvelles. C'est clair dans mon esprit. J'entends saison des bonnes nouvelles. Et je peux voir des enveloppes que on est en train de donner à tout le monde. À tout le monde qui est ici présent, même à ceux qui s'occupent des enfants. Je suis en train de voir des enveloppes qu'on est en train de donner. Et dans l'enveloppe, il est écrit, et j'entends ce qui est écrit, saison de bonnes nouvelles. Déjà, je m'en vais déclarer ce soir qu'une saison de bonnes nouvelles s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Comme je vis des enveloppes être distribuées et sur ce qui est écrit dans les enveloppes, j'ai entendu saison de bonnes nouvelles. Laisse que la bonne nouvelle puisse entrer dans ta maison. La bonne nouvelle puisse entrer dans ton compte en banque. La bonne nouvelle puisse entrer dans ton travail. La bonne nouvelle puisse entrer dans tes études. La bonne nouvelle puisse entrer dans tes comptes en banque, dans tes projets. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Dieu du ciel a prévu qu'aujourd'hui, nous soyons dans l'endroit où est distribué les enveloppes de bonnes nouvelles. Laisse-moi déclarer dans ta vie, cette année, cette saison, c'est la saison de bonnes nouvelles. J'interdis au deuil d'entrer dans ta famille. 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 J'interdis à la maladie de toucher ton corps, de toucher ta famille, de toucher tes enfants, de toucher tes parents. J'interdis à ce que tu reçoives de mauvaises nouvelles. Ton téléphone recevra pas de message de deuil. Ton téléphone recevra pas de message de refus. Ton téléphone ne recevra pas de message d'abandon. Ton téléphone ne recevra pas. Oh, je suis en train de voir un courriel. Un courriel est en train d'entrer dans l'adresse email d'une personne, dans ton ordinateur. Si tu es en train d'entendre de mauvaises nouvelles, laisse-moi déclarer, à cause de ces enveloppes qui est distribuée, oh, même en ligne, même en ligne, même en ligne, même en ligne, il y a sur toute personne qui est connectée sur cette fréquence, la bonne nouvelle entre dans ta maison. L'enveloppe tombe sur toute personne qui est connectée ce soir. Je suis en train d'entendre bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Je déclare que les choses que tu t'entends pas, que cela t'arrive. Je déclare des montants que tu ne t'entends pas, que cela t'arrive. Laisse que ton banquier t'appelle pour te dire qu'il y a une personne qui a payé tes dettes. Laisse que ton banquier t'appelle pour te dire qu'il y a un virement dans ton compte. Je ne sais pas comment cela va se faire, mais ce que je sais, nous sommes dans la saison des bonnes nouvelles. Oh, Rababosha, je déclare, tout celui qu'on était en train de poursuivre, si tu as été poursuivi par un esprit, je ne sais qui vient d'où, de ta famille ou de ton environnement, oui, je déclare que tu es infranchissable. Les gens ne t'atteindront pas. Les gens ne vont pas franchir tes limites. Les gens n'arriveront pas à ton carré. Tu es inatteignable. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je déclare que toute arme formée pour te piéger, formée pour te tuer, formée pour te donner la maladie, formée pour te faire tomber, formé pour te rendre handicap, aujourd'hui cela est de nuls effets, nul et sans effet, nul et sans effet.
J'interdis au cancer de t'atteindre. Cancer d'utérus, cancer de colon, cancer de sang, cancer je ne sais de quoi, ça ne t'atteindra pas, ni toi, ni tes parents, ni tes enfants, ni tes petits et tes arrière-petits-enfants. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Oh oui, la Bible dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire à ces instants. Je déclare que le pouvoir que Christ t'a conféré à la croix, il y a plus de 2000 ans que tu le exerces encore. Aucune maladie, aucun serpent, aucun scorpion ne peut t'atteindre au nom de Jésus. Laissez-moi vous expliquer quelque chose avant d'entrer dans mon message. Le serpent a le venin dans sa bouche, mais le scorpion a le venin par sa queue. Qu'est-ce que cela veut dire? Toute personne qui pense venir t'attaquer de face, tu vas le dominer au nom de Jésus. Et encore, toute personne qui pense venir t'attaquer par surprise, cela veut dire qu'un scorpion qui t'attaque par surprise, qui t'attaque par en arrière, tu vas le maîtriser, tu vas le dominer au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans la saison des enveloppes. Nous sommes dans la saison des enveloppes. Je vis des enveloppes être données. Et il s'est écrit dessus. J'ai entendu l'écriture sur l'enveloppe. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle entre dans ta maison. La bonne nouvelle entre dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Shabbatekou. Là-bas des chakras. Au nom de Jésus. 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 Shabbat. Je déclare que tu es vainqueur. Je déclare que tu es vainqueur. Je suis en train de dire des choses que j'entends. Si je déclare quelque chose, c'est que je l'ai reçu. Je déclare que tu es vainqueur. Je déclare que tu es plus que vainqueur. Sur tes épreuves, tu es vainqueur. Sur tes épreuves, tu es plus que vainqueur. Sur ce que tu fais, tu es vainqueur. Toute personne qui cherche à te donner la défaite, tu es vainqueur. Tu vaincras sur cette personne au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, ah, Dieu nous a pas refusé son fils. Il n'y a rien qui peut nous refuser encore de plus. Parce qu'il n'a pas épargné la vie de son propre fils. Voilà pourquoi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je déclare que tu es vainqueur parce que tu as un allié. Tu n'es pas seul. 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 Il y a quelqu'un qui était venu ce soir avec un cœur rempli de questions. Rempli de questions. Tu penses que tu étais seul. Je veux te dire ce soir, le Saint-Esprit m'a dit de te dire, tu n'es pas seul. Il t'accompagne. Il t'accompagne. Au nom de Jésus. Ah! Ah! Shalalebosa. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires ce soir? Est-ce qu'on